Au fil des pages, comptez sur nous. Avec comme chaque mardi soir, Marie-Blanche Cordoue qui nous sélectionne de super ouvrages made in Provence, pour le dire à l'anglaise. Bonsoir Marie-Blanche, bonsoir à vous. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Aujourd'hui Marie-Blanche, nous partons grâce à vous, passionnée de la littérature et enseignante, à la découverte d'un livre qui va aider à grandir, un livre thérapeutique pour les petits, les minots, de chez nous en quelque sorte. Ça s'appelle « Conte pour grandir » de Claire Bourriou, illustré par une ciotadène, Delphine Balm, et c'est aux éditions First. Oui, Mélanie, aujourd'hui une auteure et une illustratrice de talent avec un livre qui va nous donner les clés pour accompagner les petits sur le chemin de la compréhension de leurs émotions et notamment avec de douces illustrations réalisées en aquarelle et peinture digitale avec comme inspiration première les paysages doux et lumineux de notre belle Provence, bien évidemment. Ça c'est génial parce que c'est vraiment important les illustrations pour les petits, notamment ça apporte des indices de lecture, des clés de lecture. Et ça développe aussi l'imagination de nos enfants. Quant au contenu de Conte pour grandir, de quoi s'agit-il précisément, Marie-Blanche ? Alors, c'est un livre d'accompagnement pour aider les enfants de 3 à 7 ans dans toutes leurs difficultés. Alors, on sait que dans la vie de nos tout-petits, des étapes comme l'entrée à l'école, la propreté, le sommeil, un déménagement, la maladie ou la séparation sont des épreuves parfois difficiles à exprimer. L'enfant a du mal à dire et à la place, c'est souvent son corps qui parle. Et c'est dans ce livre, à travers 10 contes métaphoriques à lire aux enfants, que vous trouverez les réponses pour les aider à comprendre ce qui leur arrive. Alors, comment se présente ce livre ? Chaque conte est précédé d'un préambule dans lequel il y a une explication qui est donnée aux parents avant la lecture du conte, mais aussi, après le conte, des prolongements possibles à la fin du récit. Donc, ces contes sont en résonance avec des problématiques universelles à partager avec votre enfant et ils sont inventés par une professionnelle, une infirmière, l'auteur qui depuis 10 ans, observe les effets étonnants de ces créations sur le développement des enfants et la prise de conscience de leurs émotions, mais aussi sur le reste de la famille. Alors, avec un bonus à la fin du recueil, un guide pour créer vos propres contes. Donc, Contes pour grandir, c'est un livre vraiment qui fait du bien, qui aide les parents à faire passer des messages par l'usage de la métaphore, des messages pour affronter les changements et aider leurs enfants à grandir en s'exprimant. C'est vraiment un très beau livre à découvrir et c'est aux éditions First. C'est génial. Vous savez quoi ? Comme le hasard fait souvent ou parfois bien les choses, Marie-Blanche Cordoue, il s'avère que j'aurai le plaisir de recevoir la ciotadène Delphine Balm, l'illustratrice, la semaine prochaine, mercredi précisément, dans la tournée sur France Bleu Provence. Elle est pas belle la vie ? C'est formidable ! Et on s'était même pas dit tout ça. Je rappelle les références. Merci Marie-Blanche en tout cas. Conte pour grandir, c'est génial. C'est de Claire Bourriou, donc illustré par une ciotadène Delphine Balm aux éditions First. Et un autre conseil aussi, puisqu'on est dans la littérature, un super dessin animé de Disney, Vice Versa, pour aussi parler des émotions de nos enfants. C'est magnifique, il y a de la couleur et des images. Vous me rejoignez là-dessus, Marie-Blanche ? Oui. Ah, tout à fait, bon. Il est magnifique ce dessin. À mardi prochain pour de super sélections de bouquins de chez nous. À bientôt Marie-Blanche, belle soirée. Merci, à bientôt. Au revoir, merci à vous. Chaque mardi, vous l'aurez compris, des sélections pour les grands et les petits.